Salut à vous et laissez-moi parler d'un document qui est ultra utile et ultra important que j'ai vu dans la formation avec Ben Picard en 2017 sur le fait d'avoir un cours sur le business. C'est un cours pour les débutants qui veulent savoir comment être sûr que la startup va fonctionner. Et si vous faites une petite startup, que ce soit après un hackathon, que ce soit parce que vous êtes passionné et que vous faites des startups, ou que ce soit parce que vous êtes une petite boîte de jeux vidéo qui veut se lancer, vous devez vérifier que tous ces points-ci sont corrects là-bas. Tous les points qui sont là-bas. Les deux là, c'est moi qui les ai inventés. Mais les 10 points qui sont là-bas sont très 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 importants. Et pour pouvoir répondre à ces 10 points, il faut d'abord que vous essayiez de remplir ce document et que vous arriviez à du coup vous pitcher. Typiquement, je vais m'y essayer sur un projet. Donc mon entreprise Integer Game travaille à faire des jeux à l'aide d'Integer qui permettent d'avoir des milliers de joueurs, des codeurs qui viennent jouer ensemble dans la même partie, dans le but de résoudre la pénurie de développeurs. Parce qu'on a une grosse pénurie sur les développeurs disponibles sur le marché. On se démarque en faisant un jeu où il y a 16 000 développeurs dans la même partie qui jouent à l'aide de code et qui se disputent un tournoi d'e-sport. Le business model, nous allons chercher de l'argent à partir de tournois d'e-sport où il y a des sponsors qui font rentrer de l'argent et où les développeurs qui veulent se rendre disponibles sur le site peuvent déclarer comment les contacter pour les employés qui ont besoin, pour les patrons qui ont besoin de trouver un développeur. Pour le moment, le jeu et le code fonctionnent en interne, mais on a besoin de vérifier que ça fonctionne avec 1 000 personnes, puis ensuite avec 3 000, puis ensuite avec 16 000. Sachant que 16 000 est la limite du premier MVP qu'on aimerait bien avoir. Donc voilà, ça c'est le pitch de 30 secondes sur ce que je suis en train de faire. Maintenant, il faut remplir les mots en mettant codeur, 16 000 joueurs, entreprise, etc. Tout ça, c'est un autre document. Mais une fois que vous êtes clair dans votre tête, je vous ai pitché le projet parce que maintenant on va pouvoir l'utiliser ici. Quelle est la peine? On a une pénurie de développeurs. Est-ce qu'une solution existe au fait d'avoir des développeurs passionnés? Il en existe, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile d'en trouver. J'arrive pas de trouver des gens qui me demandent mais où est-ce que je peux trouver un développeur de jeux vidéo? Donc du coup, non, il n'y a pas vraiment de solution pour le jeu vidéo. La peine est-elle compréhensible? Oui, avoir un gars qui ne trouve pas du tout de développeur pour son entreprise alors qu'il a un projet, c'est. On peut vite le comprendre. Pain clear, we feel and measure the impact. Est-ce que la pain clear. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la peine? Quand même, ouais. Bon, ça pourrait être un 2 ici. Je vais mettre un 2 parce que je suis pas certain. La solution. Do we understand what the startup propose? Est-ce qu'on comprend que de ce que je propose? Donc j'ai un jeu à 16 000 joueurs avec des programmeurs dedans. Je crois que ça va, c'est compréhensible. We understand the startup proposition. Oui. We approve the exposed solution. Est-ce que la personne approuve? Là, ça va dépendre de la. Ça va dépendre évidemment de qui il y a en face. Donc typiquement, est-ce qu'un patron d'entreprise ou un sponsor accepte cette solution? Ben, le sponsor, lui, il s'en fout parce que c'est pas lui qui paye finalement. Il paye parce qu'il a envie d'être vu. Donc lui, ça va. Mais le patron d'entreprise, est-ce qu'il serait content de trouver des développeurs qui jouent à des jeux vidéo? À mon avis, oui. La solution est limitée, unique, limpide, unique et disruptive. Est-ce que c'est clair que cette solution résout cette problématique. Pas totalement, ça va permettre de trouver des développeurs, mais ils ne sont pas qualifiés pour l'employeur. Donc ce seront des passionnés. Donc peut-être. On va dire oui, parce que j'ai un billet. Donc du coup, je reste à 3. Si c'était pas le cas, j'aurais mis 2. Approve the exposition, on va dire 2. Allez, juste pour le plaisir, je vais mettre 3. De toute façon, c'est juste fictif pour vous montrer comment le document fonctionne. Unique specification. Est-ce que quelqu'un qui voudrait co copier mon projet pourrait y arriver facilement? Franchement, non. Il y a pas mal de code derrière à savoir, il y a des serveurs à faire, il y a toute un savoir-faire au niveau du jeu vidéo. 16 000 joueurs, c'est énorme. Ça va, je suis protégé de ce côté-là.
First Mover Advanced Barrier. Est-ce que je suis le premier sur une technologie qui vient d'apparaître et que c'est pour ça que j'ai l'avantage? Non, c'est juste j'ai un avantage. Serious work need to start over. Donc si quelqu'un voulait recommencer mon travail, est-ce qu'il a vraiment un travail sérieux à faire? Pour le moment, quand même déjà. Maintenant, ouais, si franchement, quelqu'un qui voudrait recommencer à faire mon jeu, il pourrait y arriver, mais il faut qu'il ait les bonnes personnes, quoi. Patent client, perception, significative company. Non, j'ai pas de patent, donc ici c'est à 2. Hop, j'ai pas de protection sur mon projet pour le moment. No info, mais si, no fact. Alors, market understanding. Est-ce que je comprends bien le marché dans lequel je suis? Eh bien, en fait, je comprends un petit peu, mais start de statistiques et structure. Par contre, là, non, j'ai pas de statistiques et de structure info. J'ai vraiment pas travaillé sur le marché, donc je vais me taper un petit zéro. Et ça, c'est mortel. Donc, basiquement, si vous êtes une startup et que vous avez un zéro, travaillez dessus parce que c'est mortel. Personne n'investira avec quelqu'un qui a un zéro, quoi. Target segmentation. No segmentation, basic understanding of the target. Donc, en gros, est-ce que j'ai une compréhension basique de qui je vise? Comme target, c'est pas mes joueurs, c'est les entrepreneurs qui vont vouloir trouver un développeur. Bah oui, ça va, je comprends quand même un minimum cette idée. Start to know the target habit. Est-ce que je connais la façon dont les employeurs travaillent et à quel point ils ont besoin de développeurs, quel type de développeurs, comment ça marche, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tel et tel développeur? En gros, est-ce que je comprends l'habitude de de la personne qui va me payer? Un tout petit peu, mais pas autant que je le devrais, mais un tout petit peu. Donc je vais mettre 2. Start of an action social network community. Non, non, non. 1. Donc ici, vous voyez que je connais mon target, mais pas tellement. Alone with advance. Donc team. Est-ce que je suis tout seul à faire ce projet? Bon, à la base, je pouvais être 2 avec Vincent, mais non, je ne serai pas avec Vincent parce que bah, il a au boulot et j'ai pas de quoi le payer, et donc du coup, je suis tout seul. Donc 0. Pouf! Vous voyez ici, un gap, un gap. Donc là, j'ai aucune compréhension du marché et j'ai pas d'équipe. Basiquement, là, on ne peut pas investir sur ma gueule. No clue of how to make money of the idea. Si, si, basiquement, la façon dont je vais faire de l'argent avec ça, c'est les sponsors qui viennent, les patrons qui peuvent trouver des développeurs, mais en même temps, j'ai pas eu d'état de paywall de ce côté-là. Mais il y a moyen. Mais en même temps, j'ai pas travaillé le sujet, dans le sens. Je vois bien qu'il y a moyen de faire de l'argent, que ce soit avec des abonnements. Ici, c'est plus le sponsor, donc j'ai quand même une petite idée, mais. Bah, basiquement, ce que je pourrais faire, c'est typiquement, plutôt que de. Oh, ça, c'est plus ou moins une meilleure idée, parce que j'ai pas trop réfléchi sur le sujet. Basiquement, ce que je pensais, c'était de faire que les marques viennent offrir de l'argent dans les tournois pour les joueurs et que du coup, on ait un peu de pub par-ci par-là. Mais c'est vrai que ce qui pourrait être cool, c'est d'avoir un pot commun des employés. En gros, pour pouvoir accéder au nom des joueurs qui se disent disponibles sur le sujet, qui veulent bien partager leurs infos, pour avoir accès à ça, il faut donner un prix sur le prochain tournoi, par exemple. Comme ça, bah, en fait, c'est un pot commun où tout le monde peut gagner de l'argent, quoi. Je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, je peux mettre un gros zéro pointé parce que, vous voyez, je suis pas assez, j'ai pas taffé mon sujet. PNL carton de bière, est-ce que j'ai fait un PNL carton de bière? Donc, PNL carton de bière, c'est Profit and Lost. Donc vous prenez un bout de carton, vous mettez vos chiffres dessus et vous regardez si les chiffres vous paraissent incohérents et si vous avez peur. Donc basiquement, moi je suis par exemple un développeur seul, je dépense 30 000 euros par an, on va dire, de nourriture, de loyer, de l'ensemble des coûts que je devrais avoir, etc. si j'avais une maison en Europe, ce qui est basiquement je vis pauvrement. Attends. Vraiment entre guillemets donc pour rester franc en fait je suis en dessous de ça c'est franchement j'ai vraiment pas grand chose mais basique c'est pas le sujet ici basiquement admettons que je dépense 30 000 euros par an il faut que mon application soit au-dessus de 30 000 euros par an et vu que 50% vont à l'État et à vous-même sur les retraites et tout, ça veut dire qu'on doit gagner 60 000 euros pour pouvoir faire vivre le projet. Donc si je vis à 30 000 euros par an. Donc,
60 000 euros, ça veut dire que si c'est les joueurs qui payent, ce qui n'est pas le cas, il faut que j'aie 60 000 joueurs qui payent 1 euro par jeu, par mois. Non, c'est divisé par 12, donc ça fait 6 000. Donc ça fait 6 000 joueurs qui payent 1 euro par mois pour pouvoir vivre de mon projet. Ça va, c'est. Admettons que j'ai un sponsor ou deux et que j'ai un employé ou deux. Que j'ai un employé ou deux, moi. Que j'ai un sponsor ou deux et que j'ai un patron ou deux qui paye pour pouvoir avoir accès aux données ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Hein. Il y a moyen quand même largement de faire vivre le truc, quoi. Mais j'ai pas une claire idée. Vous voyez, ce projet, c'est un projet poubelle. Vous sentez directement que c'est de la merde. Parce que le marketing, j'y ai pas travaillé. Le team, je suis tout seul. Target segment, je connais pas assez les employés. Business model, j'ai une compréhension, mais j'ai presque pas travaillé le sujet. Enfin, ici, no clue of how to make money avec le truc, quoi. Basiquement, oui, je sais comment je vais faire de l'argent avec, mais de là à expliquer vraiment précisément comment, c'est la mort, quoi. Risque. Est-ce qu'il a considéré risque? Est-ce que j'ai considéré le fait que bah, les serveurs, ça consomme beaucoup de d'énergie, que Azure, ça coûte 2000, ça coûte facile 2000 euros par mois si vous avez beaucoup d'utilisateurs, que vous avez pas mal d'autres coûts derrière et que vous avez aussi le problème que les serveurs peuvent tomber en rade, que les hackers peuvent hacker. Donc oui, j'ai une compréhension des risques. Basic Riff of the Startup. Par contre, par rapport à la startup, je comprends les endroits où ça pourrait échouer, mais j'ai pas assez taffé le sujet aussi. Pareil. Financement, qu'est-ce que je demande pour pouvoir y arriver? Donc, qu'est-ce que je demande en termes d'argent pour réussir à faire ce projet-là? Eh bien, en fait, le truc, c'est que là, je suis en train de... Pour pouvoir faire fonctionner ce projet-là, je vais avoir besoin d'avoir non pas une somme d'argent, mais un roulement, comme on dit. C'est-à-dire, yep, ici, de l'argent qui tombe tous les instants. Sachant que les premiers mois, il n'y a presque pas d'utilisateurs. Et donc, du coup, si je demande un financement, à ce moment-là, je vais perdre pas mal d'argent au début. Et donc, du coup, ici, vous voyez que je suis dans un négatif cash flow pendant 12 mois jusqu'à ce que ben, on gagne peut-être un peu d'argent. Donc, ici, je suis à 1, mais je ne peux pas être à 2, quoi. À 2, c'est vous allez demander de l'argent, mais vous avez un objectif clair sur ce que vous faites. Et à 3, c'est vous avez un objectif clair et dans 12 mois, tout se repasse correctement. Ici, je suis à 1. Tam, tam, comme ceci. Alors, ça, c'est quand vous faites des hackathons, c'est juste moi qui me fais marrer à chaque fois. C'est Classic Project. C'est est-ce que le projet il est classique? Ben non, il n'est pas classique. Already seen in a hackathon? Non, j'ai jamais vu un truc à 16 000 joueurs à part le Twitch Play. Hook to Curiosity? Ouais, ça, carrément, ouais. Should up and take my money. Ça pourrait. C'est pas le cas, mais ça pourrait. Est-ce que c'est que des slides? Non. Est-ce que c'est un prototype? Ouais, c'est un prototype. J'ai envie de dire que c'est un MVP parce que j'arrive à faire tourner 2-3 trucs, mais ça reste un prototype. Ok, donc voilà. Vous voyez que là, j'ai rempli ce fameux document qui va me permettre de savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir sur mon entreprise? Et la réponse est clairement non. Clairement, le projet, il n'en est qu'un état de prototype. Il ne sait pas ce qu'il veut demander en termes d'argent. Il a une évaluation des risques, mais il comprend pas ce qui se passe. Il a fait un vide carton de bière, mais il a même pas vérifié que tout fonctionnait bien. Son business model, il est à chier parce qu'il a aucune idée de ce qu'il fait. Son équipe, il est tout seul, donc s'il tombe malade, on est dans la merde. Target segment, ben basiquement ici, il connaît un petit peu avec ses clients, mais il a pas fort cherché. On voit qu'il a l'habitude de les rencontrer, mais qu'il a pas été voir leur vie. Market understanding, il n'a pas du tout été regardé s'il y a des concurrents, il n'a pas du tout été regardé si ça a une viabilité du market, il n'y a pas un seul slide sur le sujet. Unique spécifique, oui, ça va. De ce côté-là, il se démarque, il est quand même carrément unique, et en plus de ça, il a des codes qui font qu'on ne sait pas le concurrencer directement. Solution, on voit bien qu'il a une claire idée de ce qu'il veut en termes de solution, et niveau de la peine, bien qu'elle ne soit pas totale, totale, on voit quand même qu'il y a une peine et qu'elle est résolvable. Voyez, en gros, ça, c'est ultra pratique. Encore une fois, je suis rien d'autre qu'un débutant. Je ne connais rien au business, c'est pas mon boulot. Moi, je suis juste un développeur de jeux vidéo qui fait du prototypage, de l'enseignement et des trucs comme ça. Mais cet outil en hackathon est vraiment utile parce qu'on voit directement les points faibles d'un groupe, quoi. Ici, si je faisais le même exercice, mais en tant qu'enseignant, c'est déjà beaucoup plus facile, par exemple. Vous voyez, hop, 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 hop. Je vous montre.
Donc, en tant qu'enseignant, je travaille sur la peine de faire en sorte que des développeurs, que des gens qui ne sont pas développeurs deviennent des développeurs pour l'industrie du jeu vidéo belge. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une peine? Oui. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a une solution qui existe? Pas vraiment, parce qu'il n'y a que des écoles, mais elles sont hors de prix et les gens ne savent pas se réinsérer dans une école. Pen is understandable, we sing at all people that could be interested. Yes, il y a plein de gars qui seraient intéressés d'étudier le jeu vidéo. Pen clear, we feel and measure the impact. Sachant que je donnais des cours à des gens qui n'ont pas du tout du jeu vidéo et qui s'orientent vers la réalité virtuelle. We can measure the impact. Oui, carrément. Do we understand what the startup propose? Bah oui, je donne des cours. Je donne des cours à des centres de formation dans le but de faire que les gens travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Understand the startup proposition. Yes. Je donne des cours de VR spécialisés et actualisés. We approve the exposed solution. We approve. Oui, les centres de formation, généralement, ils acceptent mon cours. La solution est limpide, unique et disruptive. Bah, quand j'essaie de pas un peu trop me perdre sur des sujets un peu trop de côté, oui, ça va, c'est clair, il n'y a pas de problème. No barrier for copy of the product. Alors oui, c'est facile de copier mon cours parce que je suis open source, mais en même temps, de donner le même cours, pas si facile que ça. Est-ce que je suis le premier sur le marché? Bah, oui, je suis souvent le premier sur le marché. Ah, parce que c'est un sujet qui se met à jour en permanence, donc il faut rester à jour, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Serious work need to start over the same project. En fait, si quelqu'un voulait donner un cours de VR, vu qu'il change tout le temps, c'est vrai que quelqu'un pourrait me concurrencer tout le temps en permanence sur ce sujet-là. Mais en même temps, j'ai déjà des slides, j'ai déjà une connaissance, j'ai déjà de travail dans l'industrie, donc pour pouvoir me concurrencer, oui, il y en a, mais c'est pas aussi simple que ça de trouver quelqu'un. Pattern, client, perception, signification de l'entreprise, entity. J'ai pas de pattern, company identity. J'ai pas une identité d'entreprise, donc je peux descendre. Voilà, je suis pas bon. Market understanding. Je comprends bien comment le système des centres de formation en Belgique fonctionne. Start de statistiques et structure info. J'ai 2-3 stats sur les prix, comment ça marche, comment. Mais j'ai pas fort travaillé le sujet, mais ça va. J'ai quand même une petite compréhension de comment ça se passe. Mais je t'avoue que je devrais pas mettre 2. Mais en même temps, une compréhension des faits, des figures et des infos de base, je l'ai. Hein. Serious study, facts. Ouais, si, ça je connais, ça va, c'est bon. Je sais qui sont mes compétiteurs, je sais comment ça marche, je sais les faits, les figures, je les ai vérifiés, donc ça va. Tant qu'enseignant. Pop pop pop, target segment. Donc à qui je vends mes formations? Je les vends soit à des entreprises qui donnent cours, qui organisent des formations pour les centres de formation, soit directement aux centres de formation quand ceux-ci acceptent de ne pas faire des marchés publics. Mais juste des petits trucs un peu plus succincts. Donc target segment, oui. Start to know the target habit, oui. Start Active Social Network Community. Je sais, est-ce que j'ai un réseau qui est une bonne compréhension du réseau? Donc des gens qui existent. Oui. Study Strong Fact, Figure, Contact and Usable Communication. Est-ce que j'ai une bonne manière de communiquer entre ces différentes parties et que je sais comment on fait pour Strong Fact, Figure et Usable Communication Un peu moins. Quand même une moins bonne compréhension de comment on fait pour communiquer entre tout le monde. Comment je discute avec mes clients. Alone without advanced experimentation. Alors là, le problème, c'est que je suis tout seul. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand je travaille avec des partenaires, ben, je suis pas vraiment tout seul et donc du coup, je peux me mettre un petit 2 ici quand je suis avec des partenaires. Seul member expert, ta 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 ta. Mais par contre, quand je travaille tout seul dans un centre de formation, je suis vraiment à zéro ici. Donc en gros, c'est extrêmement risqué pour un centre de formation de m'engager. Parce que si je tombe malade, il n'y a personne qui remplace quoi. No clue of how to make money of the idea. Si, si, on sait comment on fait de l'argent.
Without hard work on precise number, on a des chiffres précis. Clear MBC with number, fact and figure. Est-ce que j'ai dessiné un business model canvas de comment ça se passe? Oui. Water clear model, good margin, tatata, service, franchise. Alors, j'ai une bonne compréhension de comment ça marche. De là à dire que je fais une bonne marge, non, c'est bon. Je suis pas à ce point-là. PNL carton de bière. En gros, si je prends un bout de carton, est-ce que j'arrive à faire les profits et les losses et que la startup vaut de l'argent? Et si je la fais grossir, est-ce que c'est toujours viable? Ben, oui, basiquement j'ai ça. Cost income and future shareholder in Notify. Est-ce que je comprends bien les coûts et est-ce que je comprends bien comment des personnes peuvent partager le gain de mon produit? Ici, c'est à zéro bulle, quoi. Parce que, basiquement, il n'est pas scalable, mon modèle. Le fait de travailler pour des centres de formation en tant que startup, tant que j'ai pas des employés qui viennent aussi donner des cours, et tant que j'ai pas une application, par exemple, qui me permettrait à plein de joueurs de venir jouer ou d'apprendre, des trucs comme ça, donc j'ai pas un produit qui est scalable, c'est un petit « oh » ici. Je n'irai pas plus haut, quoi. Le risque. Est-ce que j'ai évalué les risques de cette startup? Donc, admettons que mon banquier je demande de l'argent à mon banquier pour pouvoir travailler sur cet ensemble du concept. Est-ce qu'il va me prêter de l'argent ou pas? Ben pour l'instant, je connais les risques. Oui, c'est le fait de tomber malade, de me casser une jambe, ou autre que ça, ou d'avoir un Covid qui apparaît, ou des trucs comme ça. Identify the buy risk of the startup. Oui. Serious identification of the risk number, field Excel. Non, j'ai pas ça. Donc, ah. Finance request. Qu'est-ce que je demande à mon banquier pour pouvoir amplifier ma capacité de donner des cours? Ben, je demande d'avoir une caravane qui me permettrait d'aller donner des cours en France, partout en Belgique, et donc de pouvoir aller chercher plus de budget. Et il me faut aussi des antennes, comment on appelle ça? 4G pour pouvoir continuer à avoir des serveurs et de pouvoir donner cours à des endroits où il n'y a pas Internet. Et il me faut, pour que je puisse vraiment vivre cette vie d'enseignement nomade, il me faut en fait un serveur placé sur de la fibre optique pour pouvoir donner des cours à plein plein de gens dans le monde sur un jeu vidéo que je suis en train de créer. Et bah, basiquement, la fibre optique ça coûte cher, la bande passante ça coûte cher, avoir un endroit où je peux avoir ma box ça coûte cher. Donc basiquement, ce qu'il me faut c'est un investissement de départ pour pouvoir faire tout ça. Et est-ce que je sais prouver à mon banquier que, et c'est ça la question suivante, je vais avoir un cash flow négatif, c'est-à-dire que j'ai demandé de l'argent et je vais être dans le négatif avec lui jusqu'à pendant 12 mois, mais qu'après ça va peut-être aller. Ça devrait. Mais par contre, est-ce que je demande un fonds financier, c'est-à-dire un truc où je dis bah, pendant 5 années j'ai besoin de l'argent et j'ai un objectif clair de ce qui va se passer? Oui. Il faut encore que je le prouve concrètement, pratiquement, mais c'est vrai que je pourrais, si je travaillais le sujet, mettre un petit 2 ici. Est-ce que je pourrais avoir 3 là-bas, finance via 12 mois et objectif? Non, jamais de la vie, en 12 mois je pourrais récupérer mon argent et être positif avec un fonds de roulement. Donc voilà, donc conclusion de l'affaire. En tant qu'enseignant nomade, qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire? Je connais à qui je vends, je connais la peine, je suis assez unique mais je peux être quand même remplacé, j'ai une bonne compréhension du marché. Là pour le moment je connais bien mes clients, mais par contre je suis tout seul, c'est un énorme point faible pour un investissement en temps, parce que je peux mourir, tomber malade et tout, il y a plein de situations où je peux avoir un problème. Business model, et ben ici ça va, on voit comment on fait de l'argent, on voit quand même qu'il a pas taffé son il a quand même pas taffé son PNL carton de bière, donc il sait comment on fait de l'argent, mais en même temps il est pas très clair. Il a une petite compréhension des risques, mais il n'a pas été statistiquement vérifié que les risques, les autres risques. Finance request, là, basiquement, il demande de l'argent pour pouvoir donner plus de cours à plus d'endroits et donner les cours plus facilement, donc d'avoir plus de clients. A priori, ça devrait se passer. Craziness, ça, c'est deux trucs à moi que j'ai pas mis. C'est est-ce que le projet il est foufou? Oui. Est-ce qu'il a déjà été vu en hackathon? Non.
Pas si. Donner des cours, si. Donner des cours avec van, non. Même si c'est des bus. Donc on s'est déjà vu au hackathon, donc il n'est pas foufou le projet. Slide. Est-ce que c'est juste des slides et ma parole? Non. Est-ce que c'est juste un prototype? Non. Est-ce qu'il y a MVP? Oui. Ready to production? Non. Voilà. Et donc, du coup, pour l'instant, on voit qu'il y a du bon, mais il y a vraiment le fait que je sois tout seul qui pose problème. Donc, c'est pour ça que je travaille avec des partenaires, dans le but de ne pas être tout seul quand je donne cours, parce que sinon, personne ne me laisserait donner cours, quoi. Tout seul, c'est impossible. Et on voit que je suis la personne qui va être en charge de résoudre la peine, mais que je suis pas la personne qui est en charge de vérifier que la peine existe, enfin de vérifier que le marché existe. On voit que j'ai un gros point faible sur ma compréhension des stats et des nombres par rapport au sujet. Voilà. Je sais pas si cette vidéo aura été utile, mais voilà, sachez que ça fonctionne comme ça, c'est extrêmement pratique. Ici, vous avez la version française-anglais, et si vous allez dans la version du GitHub qui se trouve ici, Pitch Guide Hackathon, vous avez normalement un document que j'ai fait tantôt, ici, où j'ai repassé tous les points l'un derrière l'autre en français et en anglais. Je les ai tapés dans le chat GPT pour qu'elle redessine un peu les phrases. Mais voilà, ici, basiquement, si le texte vous intéresse plus, il y a le texte là-bas. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. C'était une relecture de ce fichier Excel qui est extrêmement puissant pour savoir où une startup en est. Typiquement, pratiquement, ce truc-là, à chaque fois que je suis dans un hackathon et que je dois regarder les projets des autres, je prends le document et je m'amuse à faire. Je mets comme ceci. Hop, 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 je fais 0, 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 comme ceci. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils discutent dans le slide de leur présentation, je fais. Et au fur et à mesure, je vois si l'équipe s'en sort bien au niveau de sa présentation et au niveau de est-ce qu'ils vont gagner avec le jury ou pas, ou est-ce qu'ils ont des possibilités de gagner, quoi. Parce que, basiquement, tu vois 2-3 creux, tu sais que ça va pas bien se passer, quoi. Tout ça pour dire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne réflexion sur votre projet et une bonne réflexion s'il est viable et si vous connaissez votre projet. Que le code soit avec vous. À la prochaine!